السلام عليكم. بعد ما تم الطلب تاع الجزائر للانضمام الى منظمه البريكس وقبولها كعضو مراقب، اذا حاليا وضعت الجزائر طلبا لدخول الى منظمه شانغهاي، واللي هذه المنظمه لا تقل اهميه عن منظمه البريكس، وهذا خبر هام ومفرح جدا ومفيد، يعني أن تكون الجزائر عضو في منظمة شانغهاي، خاصة وأن المنظمة هذه التي تمت يعني استحداثها من طرف الصين في 2001، هذه أكثر من 20 سنة، تضم عدة دول آسيوية، منها بعض الدول اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي كازاخستان وتركمانستان، و إذن عدة دول منها إندونيسيا وكل دول يعني المتطورة حاليا في تقع فيها في منطقة آسيا. إذن طالب تاع الجزائر للانضمام إلى هذه المنظمة يعتبر قفزة هامة جدا في تعزيز المكانة تاع الجزائر كدولة محورية في إفريقيا وشمال إفريقيا وفي المنطقة بصفة عامة، وكذلك تطوير يعني الحظوظ نتاعها في جلب الاستثمارات الهامة، خاصة وحنا نعرف أن المنطقة تاع آسيا هي المنطقة الأكثر تطورا، يعني اللي عندها نسبة نمو تطور اقتصادي الأكثر في العالم، وهي نشيطة جدا في الميدان الاقتصادي، وقد تنضم الجزائر إذن إلى منظمة شانغهاي اللي نعرفه احنا بان الجزائر هي صديقه استراتيجيه للصين. اذا فالانضمام الى هذه المنظمه قد يعطي كما قلنا زخم كبير يعني للاقتصاد الجزائري. اذا بدون اطاله نترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع الذي تم تحضيره من قناه صينيه، وتم استنطاق واحد من أكبر الخبراء الاقتصاديين في الجزائر، عبد الحامي عبد الملك سراي، اللي هو واحد من أكبر الخبراء الاقتصاديين في الجزائر، عن هذا الطلب وعن الانضمام وعن ما هي الفائدة من الانضمام إلى منظمة شانغهاي. أترككم تتابعون والسلام عليكم. L'Algérie semble ne pas vouloir rester en marge des changements qui pourraient se manifester à l'avenir sur la scène internationale, alors que le monde vit un bouleversement sur le plan géopolitique et économique. Après avoir fait officiellement sa demande d'intégrer les BRICS, Alger souhaite adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que membre observateur, d'après le chef de la diplomatie algérienne Ahmad Rafaf. C'est depuis au moins 20 ans que l'Algérie pense à cette organisation régionale asiatique pour des raisons d'abord stratégiques. Nous rapprochons du BRICS et c'est complémentaire, donc c'est pas contradictoire, bien au contraire, c'est complémentaire. Le fait d'aller vers les, en tant qu'observateur, donc vers les pays de l'organisation de Shanghai, ça permet aussi d'apprendre tout un peu les mesures, les structures, n'est-ce pas, les articulations de toute l'organisation des BRICS, notamment sur le plan financier qui nous intéresse beaucoup, parce que les BRICS sont une organisation financière très puissante et nous, en tant que pays demandeurs de gros investissements, on en a besoin. L'adhésion de l'Algérie à l'organisation de coopération de Shanghai lui offrirait de grandes opportunités en vue d'exploiter ses ressources gazières et d'acquérir l'expertise et la technologie asiatique, notamment chinoise, qui contribueront grandement à améliorer le niveau de ces secteurs, selon les spécialistes. L'Algérie, on le sait, a essayé depuis quelques années déjà d'organiser des structures de stockage du gaz algérien dans certains pays du sud, de l'Asie, pour permettre une distribution plus légère et moins coûteuse de notre gaz, parce que nous avons eu des problèmes de distribution de gaz en Europe. Donc on se tourne un peu vers cette région qui est excessivement très dynamique et de loin très dynamique par rapport à l'Occident. C'est tout à fait normal que nous demandons maintenant à être un membre observateur afin d'abord de se rapprocher davantage de ces pays-là, d'apprendre
toutes les articulations de caractère économique et financière, mais aussi de bénéficier de la haute technologie que les pays asiatiques sont en train de développer très sérieusement. Nous en avons besoin. Selon la lecture stratégique du chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune, cette organisation est un centre de gravité qui s'est formé en Asie centrale. Il a donc significativement orienté la diplomatie algérienne vers cette région du monde, d'après le ministre des Affaires étrangères. Pour les experts, l'adhésion de l'Algérie à l'organisation de coopération de Shanghai et le rapprochement avec les pays asiatiques devraient renforcer les partenariats et donner à son économie une impulsion importante à la lumière des conditions mondiales actuelles. La présence de l'Algérie dans cette organisation lui donnera de la force et accroîtra ses partenariats et sa diversification avec l'approche économique et le pragmatisme économique que nous souhaitons dans les prochaines étapes afin d'atteindre les objectifs auxquels nous aspirons, qui sont d'accroître l'ouverture économique et la coopération économique, d'attirer les investissements étrangers et l'augmentation des exportations. Ceci afin de renforcer le partenariat et la coopération économique avec les pays asiatiques qui se caractérisent par une forte croissance économique. Créée le 15 juin 2001 à Shanghai en Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai se compose actuellement de 8 États membres. La Chine, la Russie, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Pakistan et le Tadjikistan. Achraf Massoud pour CGT1 français.